Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour cette petite guidance de ce mardi. Oui, nous sommes bien mardi 5 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, la petite pensée positive du matin de ce 5 novembre. Écoutez ses proches. Écoutez les conseils et les avis de ses proches. Leur regard sur nous est souvent plus juste qu'on ne le croit. Voilà pour la petite pensée de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé, fixé des limites, tout en sachant sauvegarder mes propres limites. Je suis en relation avec tout. Pourquoi doit-on se fixer des limites? Eh bien, il est important, n'est-ce pas, de savoir fixer des limites à soi-même et aux autres, évidemment. Les limites sont un moyen, eh bien, de gagner le respect et l'estime de soi. En fait, eh bien, les personnes qui savent fixer des limites dans leurs relations ont tendance à se connaître elles-mêmes et à savoir communiquer efficacement avec les autres. Lorsqu'une personne ne sait pas comment fixer des limites saines avec les autres, eh bien, c'est ainsi que les problèmes relationnels suivants peuvent survenir. Vous vous impliquez peut-être trop dans les problèmes des autres, ou encore, il vous est très difficile de dire non aux demandes des autres. Mais encore, vous partagez peut-être trop d'informations personnelles avec d'autres personnes. Vous vous cherchez ou vous cherchez à plaire aux autres parce que vous avez peur du rejet. Ainsi, eh bien, une personne qui définit clairement ses limites et les respecte comprend que ce comportement aide non seulement à elle-même, mais aussi les personnes qui l'entourent. Donc il est important vraiment de se fixer des limites. La fleur de vie, eh bien, crée une magnifique zone de protection tout autour de toi. Elle vient à ton secours pour t'aider à construire un espace rien que pour toi. Il te sera ainsi facile de te protéger des influences extérieures, de te sentir à l'aise dans ton propre espace. Grâce à ce réconfort qui t'est ainsi procuré, eh bien, tu te sens sûr de toi et tu es enfin capable d'opposer un non, mais un véritable non, affectueux à toutes les exigences qui ne cadrent pas avec la voie de ta vie. La fleur, eh bien, qui te permet de fixer des limites, te procure l'énergie nécessaire pour sauvegarder tes limites personnelles, pour les protéger, mais aussi pour les élargir à l'occasion. Ton espace personnel de protection est une sorte de lieu mystérieux, sacré. Il est censé être cultivé par toi. Il te protège, eh bien, de tout ce qui n'est pas bon pour toi. C'est toi seul qui peux décider de combien d'espace
tu dois disposer pour être à l'aise. Eh bien, la fleur de vie te soutient pour soigner et sauvegarder ce champ. Magnifique message, n'est-ce pas? Magnifique guidance aussi. Et le défi, en tant que défi personnel, il est maintenant éminemment vital pour toi de redéfinir tes frontières. Peut-être que dans le passé, tu as été trop souvent autorisé d'autres, que tu as trop souvent autorisé d'autres personnes à franchir, eh bien, tes propres frontières. Eh bien, maintenant, avec la fleur de vie d'aujourd'hui, elle te vient en aide que pour que tu puisses plus fréquemment dire oui à toi, oui, à toi, hein, et à tes propres besoins, mais aussi pas que, pour que tu sois plus souvent capable, eh bien, d'opposer un refus au dépassement des limites de ton propre champ. Cette belle fleur de vie te fait prendre conscience que ton non est un refus affectueux, n'est-ce pas? Alors, autorise-toi, oui, autorise-toi à sauvegarder de mieux en mieux ton espace de bien-être énergétique personnel. Il est important aussi de pouvoir dire non, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes égoïste, que vous êtes méchant, pas du tout. Fixez-vous des limites. Beau message et beau défi, n'est-ce pas, pour ceux et celles à qui ça parlera, n'est-ce pas? Et je termine avec le message de ton âme. Et aujourd'hui, j'ai pigé « faire en conscience ». Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, n'est-ce pas? L'esprit libre est disponible pour cette action. Je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.